Hello les copains, hello les copines, comment allez-vous? Alors, aujourd'hui, j'ai décidé, bah ouais, c'est moi qui décide, effectivement, de vous montrer mes achats Keepers. C'est vrai que souvent, c'est pas souvent, c'est à chaque mois quand je fais la commande groupée Keepers, je montre les produits en live sur Facebook, donc voilà. Et souvent je me dis, ah, faudrait que je leur montre ce que je me garde. Et puis bah souvent je n'y pense pas. Alors du coup aujourd'hui deux choses l'une. Donc je voulais vous montrer. Je suis en train de chercher. Ah oui, ce que j'ai pris tout à l'heure. Je voulais donc déjà vous montrer ce que je me suis réservé. Du coup de la commande groupée donc Keepers. Donc ce que je me suis réservé donc ce mois-ci. Mes petits achats quoi en fait. Et puis, bah, vous faire une petite création. Comment vous dire, ça fait une éternité que je n'avais pas fait de art journal. Et ma première idée aujourd'hui, c'était de vous faire une petite vidéo art journal. Mais stress de la fille qui n'a pas fait de art journal depuis. Des lustres, je crois que ça fait plusieurs mois que j'ai pas dû toucher à mon art journal. Et de ce fait, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je vais faire? Donc j'avais pas du tout d'idée. J'ai sorti un de mes carnets donc d'art journal de Marlène, que j'ai déjà depuis quelques mois et je n'avais encore pas commencé à l'utiliser, celui-ci. Bah là, j'ai sorti donc une feuille tout à l'heure. Et bah, j'ai commencé. Et puis, bah, du coup, j'ai fait ça. Voilà, donc j'ai fait ça, quelque chose de rapide, où il n'y a pas forcément beaucoup, beaucoup de choses, mais c'est simple, hein. C'est parce que je veux le mettre en page de garde, du coup, de mon art journal. Et de ce fait, voilà, j'ai pas voulu mettre trop de choses. Par contre, ce que je vais faire là, du coup, c'est vu que je viens de faire cette petite réalisation avec très peu de matos, genre je vous montre hein, avec quoi j'ai fait. Donc j'ai sorti trois distress, la distress donc ink en vintage photo, j'ai sorti la verte en ink pilled ou pilled paint, je crois que ça doit être pilled paint. Paint, je vais y arriver. Et j'ai sorti une oxyde parce qu'en rouge, parce que je crois que j'ai pas de ink en rouge. Et c'est la Candid Apple. Donc j'ai fait avec ces trois couleurs exclusivement. Donc vous allez voir avec peu de matos, on peut déjà se faire donc du art journal. Et là j'ai fait quelque chose d'extrêmement simple, hein, puisque je n'ai utilisé que trois distress, cette petite planche donc de tampon. Keepers que j'ai depuis quelques mois et cette planche de tampon de chez La Scraposphère que j'ai pareil depuis peut-être 2 ans à peu près. Donc ça c'était dans une box hein, donc voilà ça fait au moins je pense au moins 2 ans que je l'ai celle-ci et c'est vrai que je l'affectionne au plus haut point. Mais là du coup pour ce art journal, donc il va être bah, tout simplement de l'autre côté hein, de ma première feuille, puisque c'est de l'aquarelle et c'est du 300 grammes. Hein, donc je peux tout à fait travailler donc, de l'autre côté de façon aisée. Et de ce fait, vu que mes distress sont de sortie, eh bien, je vais vous faire ce que j'ai fait à peu près ici. Alors ça ne sera pas tout à fait pareil, mais bon, en gros, je vais vous faire ça de l'autre côté avec les produits. Que j'ai donc acheté ce mois-ci chez Keepers. Donc dans un premier temps, je vous montre les produits que j'ai achetés et puis après on fait la petite créa. Hein? Allez, ça peut être sympa. Alors j'ai pris donc de l'ancienne collection donc de Marlène Out of This World, le Border Patrol. Donc c'est un grand eyes comme ça. Donc voilà, donc vous avez un avec des espèces d'étoiles qui descend et puis un autre comme des montagnes qui montent. Donc les deux sont ici derrière et on est sur quelque chose d'assez grand quand même puisque on est sur 15 cm, ouais à peu près 15 cm de long, donc les deux.
Hein, donc voilà. Donc on est sur un grand quand même. Hein, donc enfin assez grand quand même. Le prix, on est dans les entre 13 et 14 euros, 13,70 je crois, à peu près. Hein, il me semble. Alors ça, donc voilà, je vous ai montré. Ensuite, j'ai pris quatre petits livres de Studio Light. Donc il y en a deux. Qui sont donc des petits carnets avec des dice cuts. Donc à chaque fois, il y a 300 éléments. Donc celui-ci et celui-là. Donc celui-ci, il est déjà sorti, je crois, le mois dernier. J'avais dû en prendre un, mais du coup, bah, je l'ai vendu aussi sec. Donc je me suis dit, bah, je le prendrai moi le mois prochain. Donc voilà à peu près le style de dice cut qu'on a à l'intérieur. C'est quand même super sympa. Donc le thème c'est Moon, la lune. Donc c'est des tons de bleu, violet, gris, rosé, voilà, c'est assez doux. Et à la fin il y a deux planches de stickers de phrases. Donc voilà, donc au dos vous avez tout ça en fait, hein, tous ces produits-là. À chaque fois, donc les petites planches de Dice Cut, il y a deux feuilles. Donc j'ai pris celui-ci et ce mois-ci, alors on est à peu près dans les 6,30 €, hein, de souvenir celui-ci. Et donc celui-ci, c'est ce mois-ci, donc il vient juste de sortir. Celui-là, c'est Winter Garden, alors que l'autre, c'était Moonflower. Donc celui-ci, c'est Winter Garden. Et là, on est plus sur des teintes fleurs, garden, quoi. Le jardin, les oiseaux, un petit peu de fleurs. Donc à chaque fois, on l'a. Donc... Ah, alors là, il y a un couple dans un cœur. Je sais pas trop pourquoi ils m'ont mis ça. Mais bon, après, je m'en servirai. Hein, Il n'y a pas de soussaille, hein, mais bon, je le trouve un peu sorti du contexte, moi, ce petit couple-là. Enfin bon, bref. Bon, c'est le mois des amoureux, hein, donc on va se dire que c'est pour ça. Donc là, vous avez les oiseaux, ils sont vraiment sympas. Bon, je vous les montre pas tous, mais presque, hein, en fait. Et puis, pareil, alors, il y a celui-ci aussi qui est très, très sympa. Avec la boule de coton, avec le petit oiseau, les troncs d'arbres. Voilà. Regardez, c'est super mimi. Et à la fin, là, vous n'avez pas de planche de stickers. Ce ne sont que des dice cuts et il y en a 300 éléments. De ce fait, il est un petit peu moins cher que celui-ci parce que là, il y avait les deux planches de phrases en plus. Donc, celui-là, il est aux alentours des 5,60 peut-être. Alors, ensuite... Avec Winter Garden, donc avec cette collection, il y a donc deux petits books, deux petits carnets de papier 15-15. Deux qui sont sortis où vous avez donc à chaque fois 36 feuilles, hein, on est sur du 15-15. Vous avez 36 feuilles, vous avez de l'uni et vous avez après des imprimés. Donc là, il y en a un qui est plus dans les teintes de vert et l'autre qui est plus dans les teintes de marron. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je pense que oui. Hop, j'essaie de pas trop bouger. Donc voilà. Donc allez, en gros, je vais vous en montrer deux ou trois. Regardez. C'est vraiment super, super joli. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce style. C'est très doux, très, très mimi. Donc là, pareil, il y a un cœur. C'est vrai qu'il est beau, regardez, hop, hop, et hop, il est beau le cœur, hein, il est très très beau, voilà, vraiment sympa, hein, vraiment je kiffe beaucoup, donc celui-ci je l'ai mis en vente sur mon groupe de vente, donc il a été vendu, si vraiment il intéressait quelqu'un d'autre, je peux vendre celui-ci, m'en racheter un le mois prochain, il n'y a pas de souci, hein. Voilà, si éventuellement vous le voulez. Par contre, le prix, je ne me le suis pas noté dessus. Et du coup, je ne sais plus, je crois pareil que c'est dans les... Ah mince, j'en ai pas un de... Non, j'ai pas mis... Je ne sais plus le prix, mais si, bon, si ça vous intéresse à ce moment-là, demandez-moi le prix
en dessous de la vidéo et puis je vous le dirai, ou alors vous m'envoyez un mail, il n'y a pas de souci. Donc là on est sur Winter Garden, donc il y a plutôt les teintes marron et plutôt les teintes vertes. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Alors j'ai pris des anciennes collections des tampons Marlène que je n'avais encore pas pris. Donc celui-ci, il remonte à bon, je ne sais quand, c'est le Road Trip. La collection Road Trip qui date de, je crois, l'année dernière, il me semble. Mais c'est vrai que je ne l'avais pas pris. Voilà, puis un jour ou l'autre, j'aime bien compléter mes collections. En gros, je les ai pratiquement tous. Tous les tampons de Marlène qui sortent, je les ai pratiquement tous. Mais bon, je les prends, j'étale quoi, hein, j'étale. Mais là, on est sur des prix de 10,50 €. Et normalement, il en reste encore, hein, si quelqu'un en veut. Donc l'appareil Out of This World, donc la dernière collection. Donc je ne m'étais pas pris encore celui-ci. Et là, comment vous dire, ben, les deux petites filles, donc celle-ci avec son qui fait un câlin à sa lune, et puis la petite lapine là avec sa petite étoile là qui tombe devant ses yeux. Voilà, je les trouve vraiment très 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 mimi. Et du coup, j'aime bien aussi l'ampoule et j'aime bien la lune comme ça. Enfin, vraiment, je les kiffe vraiment. Donc, ça m'aurait bien embêté de ne pas l'avoir, celle-ci. Parce qu'à chaque fois que je l'ai prise, je l'ai vendue aussi sec. Donc, je n'ai jamais pu me la prendre. Donc là, ça y est, c'est chose faite. Je vais, voilà, je vais enfin l'avoir. Donc, pareil, 10,50 €. Normalement, il en reste encore hein, chez Keeper, si vous la voulez. Alors, en accompagnement de mes die cuts, donc Moonflower, j'ai pris donc la grande planche comme ça, Astre. Voilà, donc c'est la collection Moonflower. Donc elle est drôlement grande, drôlement haute. Elle fait waouh, pratiquement, ouais, presque 20 cm de haut. Et c'est vraiment super sympa, je trouve qu'en fond, en. Ça peut, voilà, ça peut faire des choses très sympas et en embossage, je pense que ouais, ça peut être topissime. Donc c'est quelque chose que je vous montrerai, je pense, en embossage. Je pense que ça peut vous plaire. 8,40 €, il me semble. Il me semble que c'est 8,40 €. Alors, une planche de. Enfin, une planche pochoir. Donc, un pochoir que vous ne pourrez plus avoir de souvenir, il est plus dispo. C'est une planche grunge, toujours de chez Studio Light. Et là, je l'ai eu à 4,15 €. Mais il ne me semble pas que vous puissiez l'avoir. Je crois qu'il n'y en a plus. Hein. Donc, voilà, c'est des espèces de petites étoiles comme ça. Un truc que j'adore. Vous savez que je suis une grande fan de pochoirs. J'en ai, mais. Voilà, j'en ai beaucoup, beaucoup. Pareil, ancienne collection de Marlène, un pochoir, donc c'était Out of This... Non, c'est pendant Out of This World, mais c'est pas dans la collection Out of This World. En fait, elle avait dû faire 3 pochoirs en plus de sa collection. Donc celui-ci, je l'ai, c'est celui-ci, c'est celui où il y a l'œil. L'œil, il est là, là, l'œil, je l'adore, c'est un... Je l'ai mis sur un de mes... sur un marque-page, il est sublime. Ensuite, donc, il y a celui-là avec que des lettres, et il y a celui-ci qu'avec les chiffres, donc c'est celui-ci, donc c'est celui que j'ai pris moi aujourd'hui. J'ai celui-là et j'ai celui-là du coup, mais celui avec les lettres, ben, je ne l'ai pas pris. Donc, peut-être que je me le prenne quand même. Donc voilà, donc celui-ci, c'est celui avec les chiffres et on est vraiment sur quelque chose de très, très disparate, des gros chiffres, des petits chiffres, des voilà, très, très, très disparate, vraiment très, très, très sympa. Donc, vraiment à essayer. Donc, c'est quelque chose que, bonjour le beau-frère, bonjour la petite nièce qui arrive. Donc voilà, quelque chose vraiment à essayer. 7,35 €. Vous allez voir qu'avec la dernière collection donc, de Bold and Bright, donc de Marlène, il y a une augmentation de prix. Ça veut dire que les pochoirs ont pris 60 centimes. On est passé à 7,95 € les pochoirs de Marlène. Donc ça, c'est la dernière collection, le Bold and Bright. Et ça m'embêtait
de ne pas me prendre un pochoir en Bold and Bright dès maintenant. Donc voilà, c'est chose faite. Donc j'en ai pris un. Donc j'ai pris celui-ci, sachant que de 4, 6, il y en a 6 dans la collection. Donc ben voilà quoi. Avant que j'aie les 6, je pense que j'en ai pour un petit moment. Mais bon, c'est pas. Je pense que voilà, très vite, je vais prendre celui-ci qui est sublime. Enfin, tous, quoi. Ouais, sauf celui avec les petits ronds, les petits pois là. Ouais, celui-ci, je le prendrai peut-être qu'à la fin. Je sais pas, je verrai. Donc, 7,95. Hein, donc, ça a augmenté de 60 centimes. On était à 7,35. On est passé à 7,95. Le dernier donc de la collection Bold and Bright donc de Marlène, donc la dernière collection, le dernier produit que j'ai pris, ben, c'est celui-ci. Donc c'est la planche de tampon avec la petite fille et ses fleurs donc dans les cheveux. Alors ah ben ouais, là je suis en train de me dire du coup que j'ai pris fleurs et fleurs. Bon, c'est un peu dommage. Bon, au pire je peux mettre chiffres et puis fleurs par-dessus, ça peut être sympa aussi. Voilà, donc du coup, cette belle planche de tampons, combien elle fait? 9,90? Je crois pas qu'elle fasse 10,50 comme... pourtant, c'est la même taille. Je crois que c'est 9,90. Ah, j'ai un doute. Je crois que c'est... Mais il me semble que c'est 9,90. Je dois pas me tromper, aux alentours de 10 euros. Allez, on va dire ça comme ça. Donc regardez derrière colorisée. Donc la planche colorisée, c'est vraiment. Elle est vraiment super belle, cette petite fille. J'aime beaucoup. Et puis, trois produits que j'avais là dans ma boîte derrière. Tous mes derniers produits sont ici pour essayer de. Enfin, pour que j'essaie de m'en servir un peu. Voilà, quand je les reçois au moins une fois. Parce que des fois, il y a même des produits que je ne me sers pas quand je les reçois. Donc celui-ci, je ne vous avais pas montré. C'est un pochoir de chez Studio Light. De la collection Jennings Mindful Art Collection Warm and Cozy. Donc voilà, donc ça c'est, il me semble que j'ai dû l'avoir en décembre. J'ai dû le prendre ce pochoir en décembre. Donc il y a plein de choses différentes dans un seul et même pochoir. Donc c'est ça que voilà qui est sympa. Quand on a vraiment un pochoir très très différent et il fait 6,30 €. Je sais pas du tout s'il est encore dispo, mais je sais pas si vous avez, enfin si vous voulez pareil bah, que je regarde, vous me le dites. Hein, c'est Jennings Windful. Voilà. Alors, et les deux derniers produits donc que j'ai à vous montrer, ce sont des produits que j'avais pris pareil il y a 2 mois et le mois dernier. Et c'est des produits que je n'ai encore pas. Si, celui-ci, je l'ai utilisé. Je vais vous le montrer en premier. Celui-ci, c'est un produit que j'ai eu en décembre. Donc, je l'ai utilisé déjà dans des réalisations. Donc, j'ai utilisé le Artist Freedom. Et puis, j'ai utilisé cette petite barre là avec des chiffres. Voilà. Donc, cette planche grunge. Fait partie de la collection Artiste Atelier. Artiste Atelier, il y a vu ces 4 planches de sortie en même temps ou quasi en même temps. Il me semble que Keepers a eu les 4. Et là, j'ai un doute. Du coup, je voulais. Je sais même plus si je l'ai prise. Celle-ci avec les tubes là, de peinture et puis les espèces de petites bulles là. Et puis les lettres là, un peu comme un pochoir que j'ai eu de souvenir, mais je ne sais plus si je les ai pris ou pas. Donc voilà. Donc voilà. Donc en tous les cas, bah, cette planche, bah, je l'avais prise. Elle est à 8,40. Pas trop cher hein, quand même, ça va. Je trouve que une grande planche comme ça, à 8,40, c'est bien. Et la dernière que j'avais dû prendre en décembre. Mais comme celle-ci, je crois. Celle-ci, j'avais dû la prendre en décembre, mais celle-ci aussi. Et ça, c'est pareil, c'est du Studio Light Grunge. Là, on est plus sur des produits des tampons de fond. Donc, rond, gribouillis, un peu de texte, un peu de points, de fanions, de petits coins. Enfin bon, vraiment plein, 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 plein de petites choses. Et vraiment.
Celle-ci, je pense qu'elle va être pareille dans une de mes planches favorites. Je pense qu'on va vraiment être sur une de mes planches favorites. Bon ben voilà, je vous ai montré mes produits. J'ai pas bu mon rooibos, je l'ai fait juste avant, je l'ai pas bu. Comme d'hab, il va être froid après. Alors du coup, avec tout ça, donc on va pouvoir se faire une petite créa quand même. Donc on prend, j'ai dit qu'on allait prendre le dos de celui que j'ai fait tout à l'heure, donc je vais me mettre ici. Et la contrainte aujourd'hui, parce que j'aime bien me mettre des contraintes, parce que sinon ça ne me motive pas moi, si j'ai pas de contraintes. Donc la contrainte d'aujourd'hui, c'est d'utiliser donc les distress. Voilà, mes distress qui sont là, dans une, vous savez, une panière là, assez plate de chez Action. Voilà, toutes mes distress rentrent. Alors le seul truc, c'est que comme j'ai 3, 4, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, j'ai même une hauteur jusqu'à 6, non 7, jusqu'à 7, bah, des fois celles qui sont dessous, je ne vais pas forcément les chercher. Mais bon, allez, donc je vous bascule déjà sur ma planche de travail. On va peut-être essayer d'avancer un peu. Voilà, pour être un petit peu, que vous soyez un petit peu plus près. Alors j'essaie de vous mettre un peu plus. Alors attendez, on va y arriver, on va y arriver. Un peu plus droit, je ne sais pas si vous êtes plus droit. J'ai essayé de vous rapprocher au max. En fait, il faudrait que je baisse ça et que je remonte derrière. Voilà. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Voilà, allez, là ça devrait être bon. Alors, ici, mon fond, comment vous dire, je ne me suis pas embêtée. J'ai fait du coup quelque chose de très facile. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai pas fait de art journal depuis des mois et des mois et des mois. Et j'avais un peu les pouettes-pouettes. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Donc, du coup, très facile. Donc, j'ai eu besoin, alors je les sors. J'ai eu besoin de lingettes quand même. J'ai utilisé, donc j'ai dit trois distress tout à l'heure, donc dont la vintage photo. C'est vrai que la vintage photo, je l'aime bien, donc je pense que je vais peut-être la sortir. Je ne sais pas, je vais voir. Par contre, vu que j'aurais bien mis cette belle petite poupette dessus, sauf que je ne me suis pas sortie de papier pour tamponner. Ah, nounouille, j'ai pas préparé. Si je vais, ben, je dois avoir un papier pas loin, donc je vais essayer de faire un truc assez rapide. Donc du coup, mon fond avec ça, qu'est-ce que je vais. J'ai envie que ça soit quand même quelque chose d'assez vivant quand même. Alors, tout à l'heure, donc j'ai sorti le vert. Ah non, j'avais aussi la wild au nez, je crois. J'ai pas dû vous dire. J'avais la rouge. La rouge, la wild au nez. La verte et la marron et la vintage photo. Donc voilà les quatre que j'ai utilisées pour ici. Donc là, alors on va utiliser quoi? On va utiliser quoi? Alors, bleu. J'aurais bien utilisé un bleu. Rose. Ah, je sais pas, il aurait peut-être fallu que j'essaie sur un papier avant, peut-être, non? Letty, t'as pas un papier brouillon quelque part? Ouais, j'ai un papier brouillon. Alors, j'ai un petit brouillon quelque part. Qu'est-ce que je pourrais faire? Si je mets du vert comme ça. Ouais, avec du rose. Des couleurs que j'utilise peut-être pas forcément beaucoup. J'ai envie de changer un peu. Et un peu de ce gris. Qu'est-ce que ça? Je sais pas du tout ce que ça peut faire. Mais allez, vous savez que j'aime me lancer des défis. Allez, eh ben défi. Alors, vous allez voir. Donc, pour faire ça, très facile. Je me suis pas enquiquiné le baigneur, comme on dirait. Hein, voilà, c'est ce que je dirais. Bon, c'est pas très. Je sais pas si c'est très. Ouais, voilà, bref. Alors, du coup, j'ai dit que j'allais me servir de ça probablement. Mais probablement que je vais aussi me servir. Oui, parce que tout à l'heure, je me suis servi de deux pochoirs. Hein. J'ai dû utiliser celui-ci, que j'ai même pas nettoyé, parce que je vais me resservir de ça. Donc,
des lettres, comme ça. Il est chez Keepers, hein. Et celui-ci, donc, d'une ancienne collection de Marianne, Out of This World. Hein, c'est une des dernières collectes. Donc, je me suis servi de ces deux pochoirs tout à l'heure. Donc là, je vais me servir de celui-ci avec les chiffres. Et je vais me servir des fleurs, quand même. Ouais, si, 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 je vais m'en servir quand même. Allez, hop, on va les sortir tous les deux. Ensuite, une fois qu'on a sorti ça... Voilà, du coup, j'ai pas beaucoup de place. Hein. Ouh, alors... Comment que j'ai fait tout à l'heure? Je ne sais même plus. Alors, je crois que je ne me suis pas embêtée. Et j'ai fait ça. Allez. Regardez. Regardez ce que j'ai fait tout à l'heure. Je ne suis vraiment pas enquiquinée le baigneur. Là. Alors là, ça va peut-être être plus palo. Ensuite, j'ai pris une lingette. J'ai essayé de passer un peu. Non, j'ai pas dû faire ça. D'abord, j'ai dû passer ça. Ouais, mais non. Parce qu'après, c'était trop sec. Je me suis aperçue tout à l'heure. Donc, vaut mieux que je le fasse avant. Allez, on va essayer de mélanger un petit peu. Ça se mélange moins que les couleurs de tout à l'heure. Ça fait moins mélange. Moins mélange. Alors, après, je pourrais aussi passer de l'eau. Mais j'ai peur que... Ça soit un ch'touille trop tard. Ouais, c'est un ch'touille trop tard. Alors, tac. J'avais passé ça. Ça faisait des choses très tac-tac. Mais là, je crois que ça ne va pas fonctionner. Ben, c'est pas grave. On va changer un peu de principe. Allez, on va changer un peu le principe et on va faire ça. Alors, attends. Déjà, on va essayer de faire ça. On va voir ce que ça donne. On va déjà essayer quand même, comme tout à l'heure. En fait, je vous montre quand même ce que j'ai fait tout à l'heure. Tac, j'ai bien passé avec ma lingette. Et ça a fait quelques petites formes, quelques petites taches, même si ça a été très minime. Ouais, ben là, ça ne le fait pas. Ça fait vraiment des taches un peu grises. Vous n'allez pas le voir à la vidéo. Donc, on ne va pas faire ça. Et on va faire... Où est-ce qu'il est, mon... Où est-ce qu'il est, qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, mince, j'en ai fait quoi de mon nouveau truc? Bon. Allez, on va mettre un peu de rose. Ça va être un peu plus joli. Un peu plus joli. Allez. Ah oui, du coup, ça va ressortir. Ce que j'ai fait au pochoir. Alors, voyons voir. Ah bah c'est bien, ça va pas être tout à fait comme tout à l'heure, c'est sympa. Alors, on va essayer de mettre plusieurs couleurs. On va reprendre les... Enfin, je vais reprendre les couleurs que j'avais tout à l'heure. Hein. La rose, la verte et la grise. De toute façon, il faut bien se dire que souvent, on veut refaire deux fois la même chose et on n'y arrive pas. Alors, enfin, je dis ça, je parle peut-être un peu pour moi. Hein. Je sais que moi... C'est assez souvent que je veux faire deux fois la même chose. Et puis, évidemment, ben, j'y arrive pas. Alors, il me faut un papier. Sachant que je vais essayer de mettre un petit peu de distress vintage après, dessus. Alors. Est-ce que vous voyez mes ronds là? Vous le voyez là, le rond? Ben, en fait, c'est ça. C'est mon pochoir. Alors, je vais essayer de repasser un petit peu. On va voir ce que ça va faire. Bon, les couleurs sont vraiment très différentes de là. Hein. Donc, du coup, ça va vraiment, vraiment, vraiment donner quelque chose de chouette, 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 chouette différent. Alors, mais c'est ça qui est bien, de faire des choses très différentes. Allez, on va mettre un peu plus. Comme ça, voilà. On va mettre un petit ch'touille.
Donc en fait, je reprends le principe que j'ai fait tout à l'heure de l'autre côté. Donc j'avais fait donc mes étoiles en haut et en bas. Donc là, je reprends un petit peu le même principe. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de mettre un petit peu de gris tout autour déjà. On va voir ce que ça va faire. Alors, est-ce que c'est de l'oxyde? Ouais, c'est de l'oxyde. Alors, je vais essayer d'oxyder un petit peu après. Alors, ce que j'aurais pu faire, là, j'ai plein de... Voilà, moi j'aime bien faire ça. Quand j'ai du reste comme ça. Alors je. Tac. Je réessuie. Ah, il est où mon papier? Et je continue. Un petit peu ici. Là. Bon, c'est vraiment des couleurs. Vraiment différentes, hein. C'est pas forcément des couleurs que j'utilise, pas forcément des couleurs que j'utilise souvent comme ça pour du art journal. Mais après tout, allez, on essaie avec du vintage, du vintage photo. Je sais pas ce que ça va donner. Alors, donc, on va sortir un petit peu de tamponade. Alors, on va sortir cette planche avec. J'ai de l'écriture. Donc de l'écriture, ça c'est un classique que j'utilise très 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 régulièrement. Voilà. Là, j'aurais pu mettre un truc dessous. Alors, je vais changer de tampon. Je vais utiliser... Qu'est-ce que je vais utiliser? Ça. Vous avez vu, à chaque fois, je fais plusieurs fois. Hein. Ça fait comment? Plus ou moins foncé. J'aime bien quand... voilà. Tac. Là, on va en mettre un petit peu là, du coup, parce que j'en ai pas mis. Tac. Alors, vu qu'il y a un petit peu de... d'oxyde, on va essayer d'oxyder. Alors je sais pas si j'en mets beaucoup. Si, je pense que j'en ai mis un peu. Alors voyons voir où ça oxyde. Alors, c'est le gris qui oxyde. Ouais, c'est ça. Le vert aussi. Donc, j'ai des petites tachouilles d'oxyde. Voilà. Tac. Donc, voilà, voilà ce que ça donne pour le moment. Alors, je voudrais avoir un peu de rond. Alors, est-ce que... Ah ouais, c'est plusieurs ronds. Là, du coup. Donc, je vais mettre celui-là. Celui-là et bah celui-là, hein, je vais mettre les trois, même s'ils sont pas forcément au bon, bien bien rond. Alors, il me faudrait quelque chose pour mettre dessous. Ah, j'ai pas mis. Alors, attendez. Ah, j'ai pas. Oh, c'est pas top top quand on n'a rien dessous.
pour tamponner. Non, non, ça j'aime. Non, regardez, ça tout de suite, perso, je trouve que ça le fait bien. Voilà, donc à l'endroit où j'ai déjà tamponné, hein, évidemment. Hein. Tac. Voilà. Vous voyez, ouais. Ensuite, qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Sachant que là, du coup, je travaille en vintage. Je trouve que le vintage, il est pas mal là-dessus. Alors, tac. Alors, évidemment, je... Ah, crotte, crotte, crotte. J'aurais pas la même... du tout... Comment dire? J'aurais pas du tout le même style que celui de derrière, hein, que j'ai fait, hein, déjà. Hein. Mais... Ça me... Voilà, je trouve que c'est bien aussi de changer, hein, de toute façon. Voilà. Tac. Et puis, on va en mettre un ch'touille. Ici, sachant que j'ai pas d'écrit de chiffres ou de... Alors, attendez, sur l'autre. Ah si, ouais, j'ai ça. J'ai ces fameux chiffres-là que j'aime bien. Alors, tac. Hop. Alors, ouais. Ah. Alors, yes, yes, yes. Ensuite, alors ça, faut que je le remette là sur ma planche. Oh, alors, hop, il faut qu'elle recolle, elle veut pas trop. Voilà, voilà. Hop. Ensuite, qu'est-ce que j'aurais pu remettre? Alors, est-ce que Little Stars? Star is born. A little star is born. Sauf que ça, je le mettrai après. Alors, on va faire la petite nana. Par contre, je vais la coloriser rapidement. Hein, parce que du coup, je n'ai pas trop le temps en vidéo de faire une super colorisation. Alors, tac. Tac. Alors, est-ce que j'ai un papier ici? Ouais, je vais découper ce petit morceau. Alors, excusez-moi, je découpe un morceau de papier parce que du coup, ben, j'en avais pas pris. C'est un que j'aime bien utiliser là. Je sais plus le nom. Je sais plus le nom, je sais plus le nom, non. Alors, qu'est-ce que j'ai comme... J'ai une Versafine. Ouais. Allez, Versafine. Celle-ci, elle commence un petit peu à... Ah, puis c'est la première fois, du coup, je ne l'ai pas encore essayé. Ah, j'espère qu'il va bien tamponner pour la première fois. Bon, c'est pas grave s'il n'est pas top, top, topissime. On verra bien. Je passe bien mes doigts partout vu que j'ai pas pris une planche à tamponner. Ouais, regardez, il est splendide. Ça, eh ben, je le nettoierai après. Allez, on va coloriser avec quoi? Qu'est-ce qu'on va lui mettre? On va lui mettre du rose. Et coloriser à la distress, du jaune. Ah si, j'en ai une ink. Ah non, c'est une ink rouge.
Ah oui, c'est la candidatole de tout à l'heure que je disais. Allez, je commence par le clair. Allez, hein, ça va être comme ça, hein. Vite, vite, hein. Rose. Un peu de rouge. Donc là, il y a une espèce de rose. On va faire rouge. Ouh, j'ai dépassé un peu. Là, on va la faire rouge aussi. Bon, là, je peux dépasser parce que de toute façon, ça va être sur mon... Ça va être derrière. On va mettre un peu de rouge quand même, hein, parce que le rouge, c'est quand même la vie. Hein. Voilà. Un peu de jaune avec un peu de rouge, ça va faire du orange. J'ai peur que ça soit trop fade, mon histoire. Qu'est-ce que j'ai? Un peu de bleu. Ah, mais ce bleu, je ne l'ai pas ouvert. Donc, celui-ci, on va essayer de mettre un peu de bleu. Il est pâle celui-là. Mais bon, allez. Tant pis, hein. On a ce qu'on a, hein. Allez, alors ensuite, là, je vais mettre un peu de bleu. Et après, il faudrait faire du vert. Avec le peu de... Le peu de bleu et de jaune que j'ai. Oui. Je suis en vidéo. Coucou ma chérie. Et ouais, je suis en vidéo. Je termine. Ouais, j'en ai plus pour très très longtemps. Hop. Voilà, je fais une petite colorisation rapide parce que j'ai pas trop le temps en vidéo. Allez, on va mettre un petit peu de rouge ici. Un petit peu de rouge ici. Le rouge, c'est chouette, ça ressort bien. Même si, hop, avec un peu de rose, je sais pas ce que ça va faire. Ça fait un rose un peu plus foncé. Hop. Un petit peu de jaune. Ouais, j'ai plus beaucoup d'eau. Non. On va lui mettre un petit peu de vert plus foncé. Pour les feuilles. Tac. C'est une colorisation, ma foi, qui est. Faut pas regarder de près, ça déborde de partout. C'est bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, un petit peu de lilas. Je suis à combien de vidéos? 43 minutes! Oh là 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 là! Oh là 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 là! Alors, si on lui met du lilas sur son petit paletot, là, ça va faire quoi? Eh bien, on va voir. Allez, c'est parti. Bon, là, je suis en total impro, évidemment, comme souvent, de toute façon. Hein, voilà. Ça, c'est Letty, hein, dans toute sa splendeur. Et une... petite colorisation qui est, ma foi, très rapide. Rapide, rapide. C'est que je veux pas que la vidéo fasse trois plombes quand même. Non, mais ça va, c'est joli. Enfin, j'aime bien. Bon, après, voilà. Hein. Hop. Tac. J'avais oublié ce petit coin. Alors, qu'est-ce qu'on lui fait on va lui faire là, l'intérieur du petit polo. Comme ça, on va lui mettre un petit peu de rouge, du coup, sur son t-shirt. Ça va, je déborde pas trop quand même. Ça va. Et alors, pour faire... Alors là, par contre, j'ai pas trop les couleurs qui vont bien pour faire le visage.
Qu'est-ce que je peux mettre? Un petit chose comme ça là. Est-ce que ça va être un petit peu. Oh là, on le voit pas. Je sais même pas si j'en ai. Ouf, bah si, allez, c'est clair. Hein. C'est clair, mais bon, vu que c'est un petit visage de petite fille toute mimi, on va lui faire un petit truc clair. Voilà. Et puis ses cheveux. Bah, ils sont bien blonds parce que c'est une belle blonde. Allez. Tac. Et puis après, il faut que je découpe. Oh là là, quelle horreur. Toujours le découpage que tata, elle aime pas faire. Oh là 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 là. Bon, allez. Ah, j'ai débordé un peu. Ah, son jaune a débordé sur son visage. Sachant qu'elle a le visage pâle, hein. C'est une pâle. Hein. Alors, elle fait partie de la famille, hein. Elle est bien pâle. Alors, on va l'atténuer un peu ici. Si on lui mettait un peu de joue un petit peu rose. Oui, ouais. Voilà, ça soit un petit peu plus... Qu'elle soit un petit peu plus... Oula, là, ça... Ouh, ça fuse. Ça fuse, ça fuse. L'aquarelle. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. On va essayer de fuser là aussi, mais ça veut pas. Bon, elle est un petit peu... Ouais. Alors, hop. Alors, on va mettre un petit peu de vert. Ses yeux. Waouh. Regardez la petite fifille. Ah, elle est très colorée, hein. Ça c'est tout moi. Bon, ça, hop, on va l'enlever à peu près. Allez, je découpe. Est-ce que j'ai des petits ciseaux par là dans ma trousse? Ils sont où, les petits ciseaux? Où êtes-vous là? Allez, on se dépêche, on découpe. Là, on va découper. Plus rapidement, tout autour. Et je vais après découper d'un peu plus près. Voilà. Allez, zou. Alors, je vous montre hein, mon super découpage. Je vais commencer par là parce que sinon, je ne vais pas y arriver. Allez, tac. Alors déjà... Faut pas que... Alors, je suis bloquée. On va laisser un petit peu de blanc autour, hein, parce que vu qu'il y a plein de petits ch'touilles, il y a plein de petits ch'touilles, ça va être plus simple. Voilà. Tac. C'est vrai que... Oula. Là, j'ai découpé un petit peu large. Tac. Allez, ça a été du vite fait, hein. Vite fait, bien fait, comme on dit, hein. Allez, regardez. Belle cette poupette. Alors, où est-ce qu'elle est notre page? Ben, elle est là. Alors, notre belle page, elle est là. Alors, c'est un peu humide, mon ch'touille, là. Alors, j'aurais bien mis un peu de rouge au fond parce que c'est un peu pâleau. Alors, vu que c'est pâleau, on va faire... Il y a le bazar partout. On va reprendre, on a dit, l'autre pochoir que j'ai perdu. Il est là. Alors, regardez ce qu'on va lui faire. On va lui mettre un petit peu de fleurs. Oh bah là au moins, là ça va ressortir. Hein. Oh bah là au moins, regardez comment que ça ressort bien. Les fleurs. Alors on va lui en mettre d'autres. Ici. Là. Et bah voilà. Tout de suite. Vous avez vu des fleurs? Tout de suite ça donne bien. Et on va faire, oh là, il y a le bazar partout. Tac. Bon, elle est un petit peu, comment dire, elle est un petit peu tristounette dans son coin. Donc, on va lui mettre ça. Alors, si je fais un ton sur ton, ça va donner quoi? J'ai perdu ma planche à tamponner, du coup. Ouais, ben là, il y a du bazar à arranger après, comme d'hab, hein, comme après toutes les vidéos. Alors, si on fait un petit peu de noir, qu'est-ce que ça va donner? Il est où mon papier? Là. Alors, qu'est-ce que ça va donner? On va essayer. J'espère que je ne vais pas tout gâcher.
On va vite le voir. Hein. C'est un journal de toute façon. Hein. Après, voilà, si c'est gâché, bah, ce sera gâché. Hein. Là. Ok. J'aurais envie du coup d'en mettre un en bas, vu que j'en ai mis un en haut. Alors, de ce fait, maintenant que j'ai mis du noir, eh bien, à mon avis, il faut que je remette un petit peu autre chose en noir. Alors, tac. Alors, je vais la mettre où elle, la miss, là. Donc, on va essayer de lui faire un petit peu de... Tac. Et tac. Voilà, comme ça, ça va l'asseoir un petit peu sur son lit de fleur. Ici, j'ai bien envie d'en remettre une petite là quand même. Voilà. Et puis, voilà, du coup, vu que j'en ai mis un petit peu. J'aime bien jouer la symétrie quand même. Hein. Voilà, toc. Ensuite, on va lui mettre son petit... Chose que j'avais écrit, enfin que je voulais écrire, Star is born. Non, A Little Star is born. Là. Et puis ma foi, ben, je crois que c'est tout. Hein. Allez, alors, je donne un tout petit coup de chauffe. Après, ce que j'aurais bien aimé, c'était faire ressortir d'autres trucs en remettant un peu de autre chose. Mais bon, là, j'ai pas ce qu'il faut. Alors, attendez. Hop, j'ai ça. Je vais mettre ça. Hein. J'ai pas grand-chose d'autre à côté. J'avais pas forcément prévu. Je vais mettre ça comme ça. Ah ! Oh, pardon. L'allergie qui revient. Elle m'avait un petit peu laissé en paix cet après, mais ben non, il faut qu'elle revienne. C'est une coquine, ça, c'est une coquine. Bon, on est quand même à 52 minutes. Hein. J'espère que ma vidéo ne va pas s'arrêter. Si elle devait s'arrêter, eh bien, écoutez, je vous ferai une photo après de l'area, mais je veux aussi faire le tour en rouge pour que ça ressorte bien. Donc, j'aurais bien voulu vous montrer. Et puis après, je m'arrête là, parce que je ne veux pas faire quelque chose de trop fourni. Même si j'aurais tendance à remettre, comme je vous disais, un ou deux trucs. Mais bon, je ne veux pas... Voilà. Hop, allez. Et la dernière chose que j'aurais voulu faire, c'est ça. C'est mettre du... Oula, il va peut-être y en avoir un peu beaucoup. Et mettre un peu de rouge tout autour. Voilà. Tac. 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 Et tac. Il n'y en a pas beaucoup. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais passer comme ça. Parce que je n'en ai pas mis assez. Et vu que j'ai pas de petite... j'ai pas de petite éponge de sortie. Voilà, je vais faire comme ça. Et je vais rajouter un ch'touille avec la brosse. Allez. Et ben voilà. Je pense que... Alors là, mon papier est un petit peu détrempé. Hein. C'est ça qui est un petit peu embêtant. Parce que là, du coup, hop, j'espère que ça ne va pas abîmer. Non, mon autre côté... Voilà, il faut du coup ensuite que je
comment, que je sèche bien ma réalisation. Allez, un petit coup de séchoir. Et je vous montre mon deuxième art journal de la journée, sachant que je n'en avais pas fait depuis des lustres. Donc je suis super contente. Sauf que j'ai pas fait mon trait noir comme je fais d'habitude. Ah non, ça c'est... Attendez, il faut que je le fasse mon trait noir. Alors, est-ce que ça va être assez... Je sais pas. Assez sec. Hop, le rouge tache beaucoup. Alors, est-ce que j'ai un stylo dans ma trousse? Normalement, j'ai un stylo noir. Je vais prendre celui-là. Oula, mon papier est détrempé. Oulala, mon papier est détrempé. Ouh la vache. Ouh, je l'ai vu. Ouh, j'ai détrempé mon papier. Ah ouais, comment je l'ai détrempé. Bon, c'est pas grave. Je finirai mon trait noir après. Je veux pas vraiment faire de bêtises parce que là, j'ai un petit peu abîmé mon papier. Donc voilà. Mon petit art journal de l'après-midi. Je vous le mets un petit peu plus loin. Alors, je sais pas si la miss, elle est droite. Elle est un peu penchée, du coup. Je sais pas si on doit la mettre droite ou penchée. Ouais, un peu penchée, hein. Un peu penchée. Donc, ça, c'est mon art journal donc, que je viens de faire avec vous. Voilà, un petit peu différent de mon premier art journal que j'avais fait dans la juste avant. Pour me remettre en jambes. Donc voilà. Bon, eh bien, je vais essayer de vous mettre une photo quand même. Hein. Ça sera peut-être plus... Alors, je vais peut-être rajouter un petit peu de texte par-ci, par-là. Parce qu'il me manque un petit peu de texte, un petit peu de bricole. Et puis mes petites tâchouilles que j'ai pas terminées. Genre comme ça, là. Alors, attendez. Où est-ce qu'il est, mon texte de tout à l'heure? Il est où? Il est là. Là. Oh, j'ai plein de choses de sortie. Alors, j'aurais bien mis un peu de texte. Alors, soit marron. Ah, il manque des trucs. Vous savez, vous le voyez quand un truc n'est pas tout à fait terminé. Ça se voit. Voilà. Un petit peu plus de texte. C'est... petit peu, hein. Alors, normalement, je fais ça. C'est plus ça que je fais. Là. Pour pas faire des aplats. Là. Voilà. Et ensuite, mes petites tachouilles. Alors, là, j'ai de l'encre de Chine. On va essayer de voir si j'ai un petit pinceau fin. Je vais essayer de ne pas m'en mettre dessus, hein, parce que comment vous dire. Voilà, et Star is born. J'espère que ça va se voir à peu près. Ouh, j'en ai mis beaucoup. J'ai des grosses tachouilles. Bon, bah, c'est sympa les grosses tachouilles aussi. Et là, j'ai des petites, du coup, j'en ai plus beaucoup. Donc, voilà. J'aime bien quand ça fait des ch'toucs. Ah, on est tous différents, on a tous des goûts différents, ce qui est logique. Hein. Oh mince, j'en ai mis un peu sur son petit visage. Hop. Nah, bon là, ça me plaît un peu plus. Alors, hop, je remets un peu plus haut. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises en vous montrant. Voilà. Je pense que là, on n'est pas loin de ce que ça me plaise, quoi. J'aime bien. Ouais, j'aime bien. Voilà, bon. Après, c'est en fonction de l'inspiration du jour, hein. Il y a des jours, je ferai ça comme ça, d'autres jours, je ferai différemment.
C'est vraiment en fonction de l'inspiration du jour. Bon, en tous les cas, A Little Star is Born. Elle est trop mignonne, je l'aime bien. Alors, j'ai pas mis de blanc, du coup, dans des... Voilà, je me suis... Voilà, j'ai fait tellement, tellement vite la colo. Bon, les couleurs sont peut-être un petit peu pâlotes. J'aurais dû mettre un peu plus de bleu vif, mais bon. J'aime bien son petit parme, là, son petit de Folcott, là, en parme. C'est sympa. Bon, et bien, en tous les cas, je vous fais... des gros bisous, je vous aime, je vous adore, et puis ben voilà, ben je vais voir ma petite nièce qui est venue tout à l'heure, elle est repartie du coup, et puis mon beauf, hein, que vous connaissez déjà, vous les avez déjà vus en vidéo, et puis je reviens vite vous voir pour, je dois avoir deux tirages à faire de cadeaux, donc il doit y avoir deux tirages à faire, donc voilà, allez, j'essaie de vous faire une petite photo pour vous mettre sur la vidéo, et puis je vous mets la vidéo dès qu'elle est chargée. Je vous dis tchuss, à bientôt, je vous aime, je vous adore, et ça fait 1 heure, waouh. Allez, à ciao les copains, à ciao les copines, salut.